C'est parti. Alors aujourd'hui, vidéo spéciale, vidéo intégrale, vidéo pas banale. On ouvre tous les Alpha Outbreak. Non, c'est pas Alpha Outbreak, c'est Alpha Pack. Non, Alpha Outbreak Pack. Alors, comment obtenir des Outbreak Pack? C'est tout con. On a 1000, 1, 5, 2, 3, 4, 5, 15 000 crédits. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en acheter. Ah, mais je peux en ouvrir 4 déjà, mais je vais obtenir des packs. Hop, 46 packs restants. Tac, tac, confirmer l'achat. Donc voilà. Donc là, maintenant, sur TTS, on a accès aux 50 packs. Cette saison, il faut le savoir, c'est important. Chaque alpha pack est unique. Donc il n'y a pas de répétition. Il y a 50 alpha packs. Allez, on oublie les alpha packs. Suspense intégral. Suspense principal. C'est du bleu. Suspense. Doucement, on va doucement. Et on a un skin tout jaune pour l'arme de fuse. Ok, why not? Deuxième alpha pack. Nice. Nice. Nice to meet you, R4C skin. Magnifique, franchement top. Alors, comme quoi, c'est la preuve ultime qu'on peut faire simple et super stylé. Et je suis même étonné que ce soit du bleu simplement. Mais non, 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 il est super propre, super beau. J'aime beaucoup. Ce skin est magnifique. Sur la R4C, il est vraiment magnifique. Les couleurs, le jaune, c'est propre, c'est beau. J'aime beaucoup. Suivant. Et pourquoi tu ne vois pas? Jaune pour glace. Alors je me pose une question. Je me pose une question. Alors j'aime beaucoup la thématique contamination, donc combinaison jaune, etc. etc. Seulement, est-ce que le jaune te fait pas être repéré un peu trop vite? C'est la question que je me pose, je sais pas, je sais pas. Est-ce qu'en game ton œil tu vois il est tac, je t'ai repéré, t'es jaune, game, tu tires. C'est la question que je me pose. Qu'est-ce que ça va être? Bleu. Et on a pour Ying un magnifique. J'ai l'impression qu'elle a un peu trop serré son masque ou je sais pas quoi. Ah non, c'est parce qu'elle est bridée, d'accord. Non, parce que ça, tu vois, j'avais l'impression qu'elle était un peu comme ça, la peau. Je me suis dit, masque, il est trop serré, mais non. Ok. Du violet. Waouh. Septicémie. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Avec le bout de l'arme contaminé. Hop, non, non, j'aime beaucoup. Encore une fois, simple, mais joli. Allez, ouvre-toi. Et nous avons jaune. C'est pour quelqu'un. Ok, nice, bien, ok, super. Du violet. J'adore la couleur. Propre. Suspense intégral du jaune. C'est pas du jaune, mais c'est un super masque. Un peu à la The Division. Non, propre. Pour Lyon, nickel. Il est stylé comme ça. Quand il cagoule, son petit masque. Le jaune Azmat pour l'arme de Ying. J'ai pas fait gaffe que le tambour il était un peu décalé. Je crois qu'il était plus près en dessous. Ok, mais c'est du détail, on s'en fout. Attention, ouverture. Du violet. On a. Je crois que c'était bleu le. Ok. Oh, the first legendary of the video. Yes, ah du blanc, elle est magnifique. Alors là en blanc c'est tip top mood. Et c'est pour qui? C'est pour Lyon. Ah vraiment propre. J'aime beaucoup. Ouverture. Du violet. Décontamination. C'est pour Ying. C'est le même skin que pour la R4C. Mais c'est dommage, parce que là tout était parfait, ils auraient fait le canon jaune. Ça aurait été magnifique. Bon après j'utilise jamais cette arme. Allez! Le casque isolement pour Ella. Sofia. Je sais pas qui c'est qui c'est Ella. C'est Ella. Ok. Non, Zovia. C'est Zovia. Par contre, on voit bien qu'elle a gardé le béret, la fille. Elle a dit, ok, je veux bien mettre votre casque de décontamination, mais je garde le béret. J'y tiens. C'est un béret très important. Oh yes! Tu vois, là, ils ont mis le petit jaune devant, ça le fait. Et nous avons la tenue de décontamination pour Zovia. Qui a toujours son béret. Allez, je galère un peu les trucs. Hop, c'est pas facile. Donc là, c'est la tenue des contaminations pour Fuse. Légendaire. Oh, bien. Espèce de. Alors, j'hésite. Soit c'est très teinté, ou soit c'est très dégueulasse, ou soit c'est les deux. Alors, Smoke, faut que tu nettoies un peu tout ça. Mais le résultat est parfait. Excellent. J'aime énormément. Du bleu. Tachanka. Alors, toi, il y a un truc que je comprends pas. Des fois. C'est que je me trompe pas. Hein. Mais des fois la tenue des contaminations jaune, elle est sur du bleu et des fois elle est sur du violet. Ouais. J'ai pas fait gaffe, il y a peut-être une différence. Ah, c'est un petit charme sympathique ça. Alors j'ai une petite remarque à faire là-dessus. Ma remarque est toute bête, vraiment. En règle générale, les charmes sont plutôt bien foutus, mais je trouve qu'ils sont trop petits. Pour certains, pas tous. Je trouve qu'ils sont trop petits. Par exemple, un charme comme ça, quand je dis ça, je sais pas, ça se trouve lui, il est beaucoup plus grand. Mais un charme comme ça, pour moi, devrait être une taille au-dessus. Parce qu'il est vachement stylé, il est vachement détaillé, il y a les cornes, les picots, le crâne du bœuf. Et j'estime qu'il devrait être un peu plus grand pour avoir un peu plus de charisme, pour que ça fasse un peu plus joli. Parce que généralement, quand t'as ton arme et que t'as un tout petit truc grand comme ça,
Bon, ben voilà, quoi, t'as mis un pin sur ton arme, t'es content. Non, il faudrait que ce soit un peu plus grand. Donc lui m'a l'air petit. Après, faut voir en game ce que ça donne. Du violet. Ah, voilà, c'est bien ça. Ce que je disais, t'as du violet, c'est du jaune. Ah, la différence vient peut-être que l'autre est toute jaune et que celle-ci, on peut apercevoir ici un peu de noir. Donc bicolore. Deux couleurs. Bicolore. Il y avait le casque pour Buck. L'arme de Zovia. J'ai jamais utilisé celle-là. Je sais pas ce qu'elle vaut. Du violet. Suspect. Mais qui est-il à l'intérieur? Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous êtes impatient, vous aimeriez savoir ce qu'il y a dedans. Suspense. Ouverture imminente. C'est parti. Mais pas trop vite. Allez, go. Yeah! Le skin Stepissemi. Septissemi. Il est vraiment bien ce skin, mais malheureusement, il est sur une arme que je n'utilise jamais. Le Karms. Le Karam. Karams. Violet. Violet. Termite. Toujours avec ses lunettes de soudeur, en toutes circonstances. Le mec doit rien voir. Le Blue. Voilà. On sent qu'il y a 10 000 trucs. Il y a la cagoule. Et ensuite le masque, plus par-dessus le masque de décontamination. Tu sors qu'au niveau de ses yeux, c'est ce que. Ouais, c'est bon, je suis équipé, les mecs. On peut y aller. Du violet. Qu'est-ce que c'est? Et c'est le. Oh, ça rend bien. J'aime bien. Parce qu'ils ont gardé le bonnet de glace avec le petit masque chirurgical. Et par-dessus le masque contamination. Et les petits écouteurs. Hein, mono. C'est pas du stéréo, c'est d'un côté. Voilà. Et là, il y a marqué T-A. A3, un F sans la deuxième barre, V à l'envers. Alors F sans la deuxième barre, V à l'envers, A3. Ah mais non, c'est du. C'est de l'acrylique. Non, du cyrillique. L'écriture russe là. Du violet. Suspense intégral. Tachenka. Bah là on voit qu'il y a marqué Tachenka. On sent que les skins sont très chouettes. Hein. J'aime bien. C'est petit stémi. Sur l'arme de lion. Mais moi je la boulais sur les armes qu'on utilise un peu plus quoi. Oh, 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 du légendaire. Mais que va contenir ce tout break pack? Je me le demande bien. Ouverture, découverte, hémorragie sur l'arme de Finca. Pas mal, c'est pas mal parce que. Ouais, le petit côté destroy, abîmé, contaminé. Ça rend bien, j'aime bien. Hey, il est bien comme ça, Termite. Mais par contre, alors, analyse. Analyse, là, vous ne l'avez pas repéré. Mais on a une preuve que Termite est sacrément con. Pourquoi? Une combinaison de décontamination permet d'éviter d'être contaminé. Donc, si tu relèves les manches, comme Termite fait, de ta combinaison ne sert à rien. Termite, tu es con. Lourd. Ah ben, elle est stylée. En jaune comme ça, elle est bien. Elle est propre. Elle est cool. Violet. Skin d'art. Allez, skin d'art pour ça. Ouais. Ok. Mais alors, quelle est la différence entre le bleu de tout à l'heure et pourquoi il y a la même décontamination? Alors, je vois pas de différence de skin frappante, quoi. Oh, du légendaire. Troisième légendaire. Que va-t-il contenir? La réponse dans quelques instants. Oh yes! Le skin Elite de H. L'uniforme Elite. Alors, il est très bien, il est très chouette, il n'y a rien à redire sur l'uniforme, mais, j'ai un petit message à passer au designer d'Ubisoft, si vous m'écoutez, de designer en designer. Hein. Bon, modestement. Je pense, sincèrement, je pense que les skins des armes des uniformes d'Elite, donc qui sont compris dans le pack, devraient être un peu plus stylés. J'entends par là que des fois il y a des bleus ou simplement des blancs qui sont beaucoup plus beaux et jolis que les skins proposés par les uniformes Elite. Je pense qu'il serait intéressant de vraiment, enfin pour moi quand quelqu'un a l'uniforme Elite, ça serait bien que les gens se disent oh punaise regarde le skin de ton arme il est magnifique, tu l'as eu, ah bah ça c'est dans le pack Elite, quelque chose qui donne vraiment envie, qui soit vraiment travaillé, qui soit vraiment au-dessus des autres skins lambda qu'on peut trouver dans le jeu, vous voyez. Alors je dis pas qu'ils sont pourris ces skins là, non, parce qu'ils sont en raccord avec l'uniforme, donc il y a la même thématique et tout, donc ils sont chouettes, mais il faudrait quand même quelque chose qui donne envie en plus de l'uniforme d'acheter le pack et qu'il soit vraiment au-dessus. Qu'il soit vraiment, je dis pas que c'est pas travaillé, mais qu'il soit vraiment encore plus travaillé. Vous voyez. Du violet. Et voilà. Oh, elle est cool comme ça. Elle est cool avec le bonnet. Ils ont refait totalement sa tête. J'aime pas sa bouche. J'aime pas la bouche et la pointe du. En fait, j'aime pas la tête qu'elle a. Pourtant, elle est pas moche, elle est jolie, le profil, elle est très belle. Mais de face, il y a un truc qui me gêne au niveau de la bouche. Si je cache un peu. La bouche. Ouais, non, c'est la. Il y a marqué H, parce que faut pas qu'elle se trompe. Oh, quatrième légendaire. Oh yeah, j'adore ce skin. Mais vous voyez là ce qu'on disait tout à l'heure. Des fois c'est un skin simple, mais vraiment simple, qui en jette le plus. Franchement là on a du blanc usé au bout de l'arme. Donc ça fait une espèce de dégradé métal origine de l'arme, jusqu'à un blanc bien net, bien propre, avec une petite touche de couleur très simple, le petit logo de l'URSS et un effet un peu fibré tressé, car métal tressé ou je sais pas trop quoi. Et du coup, résultat, franchement, il est magnifique. Il est magnifique, le skin. J'aime énormément ce skin. Et vous voyez, vous proposeriez... Parler pour moi, c'est très difficile.
Mais si vous proposez, si vous proposez des skins comme ça dans les packs élites, ça fait le taf. C'est ça qu'il faut, quelque chose qui en jette. Et pourtant quelque chose de très simple. Mais vraiment, j'aime énormément ce skin d'arme. Donc ça, c'est pour quelle arme en fait? Ah, universel en plus. Nickel, magnifique. Yes! J'aime bien ce skin. Mais non, mais les gars, il manque un truc. Tout à l'heure, vous avez fait, c'était le même skin que sur la R4C. Et la R4C, ça avait des problèmes parce qu'il y avait le jaune à l'avant et le jaune à l'arrière. Et là, bon, en effet, il est certes un peu là, mais vous auriez fait le canon, cette partie-là, là, toutes les parties métal d'origine, là, vous l'auriez fait en jaune. Ça aurait été top, Moumout. Mais vraiment, ça aurait été parfait. Belle Bluto. Et on a Ying. Non, faux, Ibana. Ibana, bah, qui est bien comme ça. La tenue décontamination. Mais voilà, c'est ce que je dis. La tenue décontamination bleue et la tenue décontamination violette. Il n'y a pas de différence. Donc ça, je ne comprends pas. Cinquième légendaire. Suspense intégral. Ah, c'est le skin hémorragie. Putain, il rend bien là. Sur cette arme-là, il rend mieux que sur l'autre coup. Sixième ou cinquième. Après 5, c'est quoi? C'est 6. Sixième légendaire. Qui pue un peu l'arnaque. Même pas trop. Je m'explique. Parce que finalement, c'est un truc qu'on retrouve en bleu ou en violet, ça. On pourrait se dire, bon, bah, on m'a un peu arnaqué. Mais faux. Ultra faux. Parce qu'on aperçoit enfin le visage de Doc. Dès qu'on est dans décontamination bleue, jaune, pour Ying. Non, il faut que j'arrête de les confondre. Ibana. Vraiment désolé. Le petit skin, nice. Yeah, j'adore ce masque. J'adore ce masque. Elle est trop bien comme ça, Finka. Alors, il faut savoir que là, elle a une grosse cicatrice, c'est parce qu'elle s'est bouffée une porte. Je vous expliquerai pourquoi un jour, mais triste histoire. Sale histoire. Septième légendaire. Ouais, 7. Yeah, alors là, je kiffe le blanc. Je kiffe le blanc. Magnifique. J'aime beaucoup. J'aimerais bien l'avoir sur un maximum d'agents, ce skin-là. Yeah, la petite Amy. Le petit Sharp Six Parasite. Totalement rouillé, avec ses petits cure-dents piquants. Ah, non, oh, il est trop bien. Cauchemar, c'est... Donc ça, c'est un des monstres qu'on rencontre dans le mode de jeu Outbreak. Il est trop bien, style en dessin d'enfant comme ça, j'adore. Mais encore une fois, j'espère qu'il sera en grand, parce que si c'est pour l'avoir en tout petit sur son arme, ça ressort pas assez. Alors, surtout qu'il est super chouette celui-là. Donc si on pouvait avoir, pas un truc énorme, mais un truc bien qu'on voit bien, quoi, qui soit un peu plus massif. Et, j'aime beaucoup, il est très chouette. Ah, j'ai plus d'alpha, c'était le dernier. Donc là, on a ouvert les 50 alpha packs. Donc voilà, donc c'est terminé, vous avez découvert tout le contenu des Outbreak packs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu à la vidéo si vous avez apprécié, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, et on se retrouve très bientôt. Ciao.